Bon, est-ce que tu veux que je te présente un petit peu le jeu? Tu connais déjà? Ouais, je sais tout ce qu'il y a à savoir sur Halo. Ah ouais, bah vas-y. C'est un mec en armure, parce que en fait il est trop moche. Du coup il s'est dit je dois cacher ma sale gueule avec une armure. Et en fait c'est un petit peu le loser dans la cour de récré. Et les gens sont là, ouais, le mec il est trop nul, vas-y rentre chez ta mère. Et du coup il fait, ouais bah je rentre chez ma mère, elle habite sur chez les Covenants. Du coup, les Covenants c'est genre ce genre de aliens. C'est une grosse victime, le chef. Il se fait appeler le chef en plus. Et tu vois, il essaie de se faire pousser un kiki avec un titre, mais ça marche pas. Ça marche pas, le major. Le major de mon cul, oui. Du coup, il arrive, il tape les Covenants comme ça. J'ai une grosse épée bleue. Parce que c'est l'épée bleue qui fait tout le boulot en fait. Elle est auto-guidée, puis elle tue tout le monde. Voilà. Et puis, il est juste là, il se fait traîner par l'épée en fait, jusqu'à l'objectif. Grosse victime, le mec. Du coup, il commence tout ça, et puis à un moment, il y a la République, là, il y a le Sénat démocratique. Ils font ouais, bon, on va jeter une bombe H sur les Covenants, comme ça, ça tuera la maman du Major, et on pourra récupérer l'épée. Parce qu'en fait, ils veulent l'épée, ils veulent pas le Major, parce que le Major, bon, c'est une grosse victime. Tellement proche de la vérité. Ben ouais, je sais. Comment t'as fait? T'as lu un truc? Tu veux que je te révèle mon secret? Tu vas encore me dire quand c'était caché ta perlée. Une feuille de salade. Déjà végétarien à l'époque. Ah mince. Ah, il s'y attendait pas. Non, une feuille de salade. Inouïe, inattendue. Bon, sur ces belles paroles, tu vas vraiment découvrir ce que c'est. Donc hop, jouer à Halo Combat Evolved Anniversary. Anniversary. Alors, je te le dis, en tant que quelqu'un qui connaît pas trop Halo, je m'attends à ce qu'il y ait la musique genre à tout le temps en fait. Pendant les cinématiques, le gameplay, du début du jeu jusqu'à la fin. En plus, les musiques sont quand même vraiment bien, il y a une belle ambiance. Et à tout moment, tu peux appuyer sur la touche Select. Non. Alors, c'est quoi pour moi Select? Non mais ça marche pas là. Bah non, c'est dans Halo 2 que tu peux changer entre les graphismes améliorés et les anciens. Non, dans le combat évolution aussi. Ah ouais? Ouais. D'accord. Alors j'espère qu'on peut toujours le faire. Parce que c'était assez cool. On savait pas où on allait. Comment sont-ils? Arrivés ici avant, leurs vaisseaux ont toujours été plus rapides. Pour nous pister depuis Reach à vitesse lumière, mes options de manœuvre étaient limitées. On était dans le noir, hein? Avant de décélérer, personne n'aurait pu manquer ce trou dans le sous-espace. Il nous attendait de l'autre côté de la planète. Alors, qu'en est-il? Nos chasseurs éliminent en ce moment leur dernière unité de recours, rien de sérieux. Mais j'ai isolé les signatures d'approche de plusieurs groupes de combat de classe CCS. Avec 3 vaisseaux majeurs par groupe, ils seront sur nous dans environ 90 secondes. Bien, on y est. Rétablissez l'alerte Alpha sur le vaisseau. Je veux voir tout le monde à son poste. Tout le monde? Tout le monde. Où le monde? Au fait, Cortana. Accueillons chaleureusement nos vieux amis. J'ai déjà commencé. La fameuse? Ouais, l'unique. Attention à il a des sabres laser. C'est l'homme le plus puissant du monde. C'est Ouais, c'est on est en plein dans le Star Wars. Ouais, soldat, utilise la force. On attend le dégel. Ok, systèmes fondamentaux activés. Ouverture. Il va pas sur le clavier. Je vois qu'il fait semblant, le mec. C'est pas ce qu'il fait. Oh. Ça y est, ouverture dans 5 secondes. En fait, tu vois, le chef. Le chief, il a des chants grégoriens dans son écouteur et il l'écoute tout le temps. Attends, c'est ça en fait, il est avec son MP3 comme ça. C'est ça. Ah. Il a son iPod. Là ça marche, si t'appuies sur Select, alors en clavier je sais pas ce que c'est. Je sais pas non plus. Voilà, il y a des trucs qui explosent. Oh! J'ai trouvé un crâne. Ah oui, en effet. Ah bah, oh moi je sais. Aïe aïe aïe, je me fais attaquer. Oh non, les Covenants! Les Covenants! Rendez-moi maman! Où est maman?
Il a un couteau, le mec. Oh là, il a un couteau, les gars. Pourquoi il me donne pas son couteau? Moi, je prends le couteau, je tue tout le monde. Tu vas pas aller buter au couteau? Bah, si. C'est un sauvage. Excusez-nous, c'est un vaisseau spatial. Ravi de vous voir, adjudant. Oh, les gestes barrières. Cortana, déclenche le processus champ grégorien. Oui, pas grâce à votre pilotage. C'est bien, chef. Le jeu peut commencer. Oh putain, la gueule de Cortana! Mettez-la à l'abri de l'ennemi. S'il la capture, ils seront tous sur nous. Dispositif, recherche en armement. La Terre. Je comprends. Je comprends. L'automne va continuer. Ouais, mais en fait, là, les Covenants, ils ont attaqué la planète Reach, là où un vous étiez. Conseil. Ouais. Et sur Reach, en fait, il y avait des infos pour trouver les anneaux. Les Covenants ne savaient pas où c'est qu'ils se trouvaient. Et du coup, ils ont trouvé les infos d'où était l'anneau. Et ils ne savaient pas trop vraiment ce que c'était et à quoi ça sert, là, actuellement. Ils y sont allés, les Covenants les ont suivis. Et là, du coup, ils sont dans le caca parce qu'ils sont moins forts. Bonne chance, clairement, à ce moment-là de l'histoire, les humains sont beaucoup moins forts technologiquement que les Covenants. Et du coup, ils se font clairement écraser. Votre architecture tout le temps. N'est pas si différente de celle du de Du coup, l'automne. Ils fuient. Ce n'est pas le moment de plaisanter. En faisant en sorte qu'ils ne laissent pas d'informations derrière eux pour pas qu'ils trouvent la Terre. D'accord. Et Cortana, je te suis, mais c'est bien parce qu'il flingue. Oh! Headshot! Trick shot! Je peux taper aussi. Oh merde! Tu m'as le jeté une grenade à la gueule. Non, je t'ai tapé, je suis désolé. Attends. Pourquoi t'as fait ça? Mais en fait, je testais le coup de crosse et t'es passé devant moi. Et en fait, quand tu tapes à l'arrière, ça tue un coup. Allez, pourriture de communiste! Équipage et personnel opérationnel des ponts 1 à 4, joignez immédiatement les postes d'évacuation. Coucou! C'est moi, c'est Master Chef! Hello! Laissez-moi vous cuisiner une mort bien épicée! À base de sel! Ah, j'ai encore tiré sur mes camarades Marines! Je suis un peu nerveux, les gars, j'ai bu trop de café à midi! En plus, ça fait longtemps que tu dors! T'as été cryogénisé pendant un petit moment. Ouais, c'est ça. T'es tout tendu, Shana. Je suis constipé et tout. C'est compliqué. Vous savez, c'est beaucoup de pression l'armée. Hein. Ah, beaucoup de responsabilité aussi. C'est ça, et puis les copains qui font des blagues dans la douche. Les copains qui ramassent des trucs dans la douche. Exactement. Les copains qui me ramassent dans la douche. Le savon. Le Master Chief, l'armure, puis en plus ça rouille sous l'eau, c'était quand même. Ah, je vous raconte pas. Ah. Montez à bord avant son départ. Non, un mec avec un bandana. Ce serait vraiment une bonne idée de filer. Allez-y. À vos ordres. Allez-y. Hop. On est dégagé. Je dois combattre les guerriers saillants. Dragé FK. On va réussir, pas vrai, chef? Je veux pas mourir ici. Regardez. Oh, il lui a touché l'épaule de manière tellement sensuelle. Il se souvenait des douches. Il est tactile. Ouais. C'est un soleil ou un trou noir qu'on voit là-bas? Qu'est-ce que c'est que ce truc, lieutenant? Aucune idée, mais on y atterrit. L'automne, il a été touché. J'en étais sûr. L'automne accélère. Qui se passe en manuel? Eh monsieur, c'est dangereux comment tu conduis. Attention, vous auriez pas une cigarette? Dans l'atmosphère de l'anneau dans 5 secondes. Vous êtes sûr de ne pas vouloir vous asseoir? Ça va aller. Je peux tanker. S'il me restait des doigts, je les croiserais. Il est en mode. Il est en gainage là. Sur une planète hostile. C'est pas vraiment une planète. Vous m'entendez? Ah, enfin, ça va? Vous pouvez bouger? Non, tous ces cadavres morts. Oh, tous ces cadavres morts assassinés.
Et tout le monde est mort. Ouais, voilà, tout le monde est mort. Super. Le choc. Mais il en manque, il est où, Naka, avec mon bandana? Un hôtel extraterrestre. Je le touche et ça me révèle que les moissonneurs vont t'attaquer. Référence à quoi? Mass Effect. Ah. C'est vrai? Ouais. Vraiment? Oui, c'est le début. Ça a l'air sympa, Mass Effect. Ah, c'est sympathique. Ils ont sorti la trilogie anniversaire remasterisée, donc tu n'as plus d'excuses pour ne plus jouer au jeu. Il n'y avait pas Andromeda qui était pas terrible? Ah, apparemment Andromeda, ouais, c'est pas très bien. J'y ai pas joué encore, c'est le seul que j'ai pas fait, donc faudrait que je le fasse. C'est un sentiment qu'il est sorti, non? Oui, bah oui, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'argent. J'ai autre chose à foutre, quand même. Là-bas! Pas un vaisseau des Goblins. J'arrive. Encore une fois. Voilà, c'est bon, c'est passé. Grenade. Pibi. Je suis sûr que toi qui m'as tiré. J'en ai marre de te carry, c'est terrible. Déjà dans le multijoueur je vous gérais toi et Thibaut. C'est cela, ouais. Là, je... On va se faire du multijoueur, tu vas voir. Ouais. C'est pas la même sauce. Ouais, en effet. Tu vas voir, je deviens redoutable, tu vois. Je deviens un chasseur de primes. Ah, c'est Johnson ça. Oula. Ah, c'est Johnson. Il est mort dès le début du jeu. Et regarde, si tu le mets en normal, il a une bouche ouverte. Une bouche de l'enfer. Ouf. Ah oui, c'est... On appelle une gorge profonde. Ah ouais. Écoutez, Johnson, j'ai des envies. Ça va rafler. Ah, avec tes conneries, on se fait tirer dessus. Ouais, je... Oh, mais ils sont tous morts. Ouais. On a pu protéger personne. Personne. Vraiment personne. Personne. Ouch, grenade. Attends, en légendaire, l'IA ne peut pas capable. Elle ne peut pas. Hey, get the face de... Hey, crève. Ah, voilà. Câlin. C'est mon pseudo, en effet. Elle est un peu forte, la musique, là. Cortana, la playlist... Est-ce que tu peux remettre... Oh. Ouais, c'est apaisant. Tu veux conduire? Bien reçu, Cortana. Ou tu veux tirer? Allez, pourquoi pas. Je suis meilleur conducteur, moi. Vas-y, alors comment tu te débrouilles? Tu vas voir. Le mettre en action. Préparez-vous à transporter les survivants en lieu sûr. Tu vas sentir. Affirmatif. Echo 419, je reste en position. Fohammer terminé. Master Chief. Prenez donc ce véhicule. Ouais. Ah, où c'est que tu nous amènes? Viens, je t'emmène. Viens dans ma... Visiblement pas bon endroit. Viens donc sur le bord de la falaise. Ce sera l'idéal. Oh, il va péter. C'était totalement une route possible. Oui, franchement. Avec assez d'accélération, t'aurais pu rouler sur la paroi. Et franchement, ça aurait été nickel. On a pris trickshot. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Ça me rappelle le Mako dans Mass Effect. Décidément, il y a trop de ressemblances avec Mass Effect. Mass Effect est venu après. Ils vont voir à qui ils ont affaire. Ouais, 2001, premier Halo. Ouais. D'ailleurs, c'est le film de Kubrick, 2001, premier Halo. Ben voilà. Odyssée de l'espace mon cul. Exactement. À droite, là, je crois. T'as eu une patate. C'est bon. C'est le dernier. Bien reçu, j'arrive. Ah, voilà. Il y a du nouveau sur le réseau Covenant. J'ai trouvé le capitaine Keyes. Il est détenu à bord du Truth and Reconciliation, un croiseur Covenant que j'ai mis hors service avant de quitter le Pillar of Autumn.
Le Truth and Reconciliation a atterri sur un plateau désertique à environ 300 km. C'est pas à côté. Faut aller où? Ah, là-bas, d'accord. Voilà notre vaisseau. Ah. Montons à bord et allons-nous en d'ici. Bienvenue à bord, adjudant. Parez au décollage. Pas toi. Écrase-le. Hop. Et hop. Et hop. Ah, t'es resté en bas. Adios, amigos. Tu vas jouer clavier souris ou manette? Clavier souris, évidemment. Est-ce que j'ai la gueule d'un casu qui joue à la manette? Est-ce que peut-être pour toi, clavier souris, c'est une sorte de d'évolution? Ou c'est juste que c'est l'outil optimal? C'est juste un gros zizi. C'est un énorme zizi. Certains gros zizi sont dotés de lumières LED de toutes les couleurs. Alors un zizi de toutes les couleurs, franchement, c'est... Après, t'as David Guetta qui te fait venir sur scène. Et là, tu fais un hélicobit. Un peu comme une boule disco, mais c'est du futur. Donc, ta bite, c'est un peu une boule disco du futur. Écoute, je suis plutôt content. Et ça sera le titre de la vidéo. Ouais, c'est ça, la boule disco du futur.